On va démarrer là, donc Ok, bon, on va lancer alors. Merci. Bien, bonsoir. Désolé si vous m'avez entendu dans les couloirs. J'allais vérifier qu'il n'y ait pas encore quelques personnes dans l'exposition pour nous rejoindre. Donc, ça sera peut-être le cas encore pour deux, trois personnes. Voilà. Donc, au nom de toute l'équipe du pôle d'interprétation de la préhistoire, je voulais vous saluer et vous remercier pour votre présence. Et puis, donc, saluer et remercier aussi Tendre Foi, donc. Qui nous fait l'honneur de sa visite ici. Donc, Tendre Foi est responsable scientifique et culturel du Centre de Préhistoire de Pêche-Merle et également conservateur donc, du Musée de Préhistoire situé sur ce site-là. Alors, cette année 2022, c'est une belle année pour vous, hein, Monsieur de Foi, puisque d'une part, le centenaire de la découverte des peintures de la grotte de Pêche-Merle. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que nous vous accueillons et pour pouvoir évoquer effectivement cette découverte et évoquer effectivement l'art pariétal qui se situe dans cette grotte. Cette manifestation s'inscrit dans un certain nombre de manifestations qui se dérouleront sur le site de Pêche-Merle et aux alentours tout au long de l'année. Et peut-être que vous l'évoquerez. En tout cas, nous, on s'en fera l'écho, comme on le fait habituellement, en fait, quand vous organisez des choses, quoi, en fait, quoi. Et c'est aussi une belle année parce que c'est la réouverture du musée qui a fait l'objet d'une importante rénovation. Alors, ça y est, il est ouvert. Voilà. Et donc, du coup, je vous invite dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à aller le découvrir, en fait. Voilà, c'est pas si loin que ça, Pêche-Merle, et ça en vaut la peine. Voilà. Donc, vous êtes nombreux dans la salle. À la suite de l'intervention, il y aura bien évidemment, comme d'habitude, un temps d'échange
Et vous pourrez réagir, poser des questions, voilà, sur tout sujet que vous souhaitez. C'est également le cas pour les personnes qui nous suivent en ligne, puisque c'est une conférence qui est donc retransmise en direct sur YouTube. Et donc, je le dis à l'attention des personnes qui nous écoutent en ligne, vous avez aussi la possibilité, par l'intermédiaire du chat, donc de poser vos questions en essayant de faire en sorte qu'elles soient le plus lisibles possible, parce que donc Julia, qui officie à la gestion de notre chaîne YouTube, se fera un plaisir de les retransmettre en direct afin que l'intervenant, Monsieur Defoy, donc puisse vous répondre. Voilà. J'en arrête là. Je vous souhaite une belle soirée et puis donc je passe à la parole à Bertrand Defoy. Bien, merci Monsieur Vigne, merci à toute l'équipe du pôle d'interprétation de la préhistoire pour cette invitation. Alors effectivement, Pêchemerle, c'est pas bien loin, hein. Il faut compter à peu près 1 h 30, ça fait 90 km. Donc je viens en voisin, je viens de la région du Quercy, donc et Pêchemerle, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui connaissent peut-être déjà le site, la grotte en particulier. Et je ne vais pas faire une présentation de, comment dire, des peintures. Je vais l'évoquer, je vais quand même montrer quelques images. Mais l'objet de cette présentation, c'est effectivement de revenir sur un siècle d'histoire. Comme il a été dit en introduction, Pêchemerle est une année très particulière pour nous, parce que c'est l'année du centenaire. C'est-à-dire que cette année, ce sera tout juste 100 ans que les peintures ont été découvertes. Et la date anniversaire, vraiment, ce sera le 4 septembre. 4 septembre 1922, découverte des dessins par trois adolescents. Et on a organisé, à l'occasion de ce centenaire, effectivement, pas mal de manifestations, bah, pour marquer, pour célébrer cet événement. Alors, c'est le centenaire. Alors, il faut que je me familiarise avec la machine. Pour passer à une autre diapositive, on va faire comme ça. Voilà. Donc, c'est le centenaire de la découverte des peintures. Et donc, je vais brièvement vous raconter, vous présenter l'histoire de ce site qui est quand même assez particulière, assez singulière. Pour commencer cette présentation, tout d'abord situer un petit peu le lieu. On est dans la région du Quercy, au cœur du département du Lot. Le site de Pêchemerle se trouve à peu près une demi-heure à l'est de Cahors. On est à peu près à 30 minutes de route et vous voyez qu'il y a l'autoroute A20 qui nous dessert relativement bien. Et on se trouve pas loin de la confluence des vallées du Lot et des vallées du Célé. Alors, d'un point de vue géologique, on se trouve en plein cœur des causses du Quercy. Alors, les causses du Quercy, y a trois causses, hein. Dans le nord, on remonte du côté du bassin de Brive. Il y a principalement au centre le causse de Gramat et puis au sud le causse de Limogne qui déborde un petit peu sur le Tarn-et-Garonne. Alors, dans quel paysage le site s'inscrit? Voici ici Pêchemerle. Alors, on le voit un petit peu loin. Ça se trouve ici. Voilà où se situe donc la grotte du Pêchemerle. On est en pleine campagne. C'est un cadre idéal pour travailler. Et cette cavité donc se trouve sur une colline que vous voyez. Cette colline qui s'appelle le Pêchemerle. En occitan, pêche, ça veut dire colline. Et donc, la grotte a pris le nom du lieu-dit. Donc, c'est la grotte du Pêchemerle. Alors, cette cavité se trouve sur une toute petite commune qui s'appelle Cabreret, 260 habitants à l'année quand même. Et c'est la rivière du Célé que vous voyez au pied du village, qui est un village qui est enserré donc par ses causses calcaires au pied des falaises. Et on a quelques abris préhistoriques d'ailleurs qui se trouvent au pied de ces falaises, au cœur du village. Alors, la grotte de Pêchemerle, maintenant, elle commence à être bien connue, hein, après un siècle d'études, de recherches, de découvertes. En voici le plan, un plan assez simplifié. Voilà le plan général de l'ensemble du réseau de Pêchemerle, qui est relativement grand, hein. On estime à peu près la longueur du réseau à plus d'1,5 km. Donc, ça fait quand même pas mal de cavités, mais ce n'est pas la totalité de ces cavités qui a été fréquentée ou ornée par les préhistoriques. Alors, on va voir ça progressivement. Et donc, on va commencer par l'histoire de la découverte, des découvertes, on devrait dire. Et toute cette histoire commence en juin 1906. À cette époque-là, un berger qui s'appelait Victor David faisait paître ses moutons
sur ces terres. Et puis un violent orage tombe. Victor David, que vous voyez ici, là, il est en habit de la guerre de 14-18, hein, quand il s'occupait des bêtes, bien sûr, il n'était pas dans ces habits-là. Mais ce Victor David, pour s'abriter de l'orage, il va se glisser, ce qu'on appelle dans une nigue, c'est-à-dire une entrée verticale hein, d'une grotte, pour se mettre à l'abri. Et puis cet orage est particulièrement violent, ça dure un quart d'heure, demi-heure, une heure. Et donc pendant une heure, il reste coincé dans cette nigue. Et puis pour passer le temps, pour manger le temps, comme il aurait dit, il jette des cailloux, comme ça. Et puis il entend que ces cailloux roulent, dévalent, continuent de descendre. Il se dit, bigre, visiblement ça descend plus bas. Et puis voilà, l'orage s'arrête, il ressort. Mais après cet épisode-là, bah, il en parle. Il en parle à l'occasion de réunions de famille. Et y a deux jeunes gens du village voisin, du village de Tour-de-Fort, qui entendent donc Victor David raconter que là, apparemment, il y a une grotte qui est assez importante. Et ces deux jeunes gens, ben, en 1912, sont intrigués, ils vont y faire un tour. Alors, ces deux jeunes gens, c'est Henri Redon et André Touzery. Et ces deux adolescents vont explorer à partir de l'entrée naturelle. En fait, une fois qu'on descend le puits, il y a deux possibilités. Soit on part sur la droite, soit on part sur la gauche. Et eux, ils vont explorer successivement ces deux parties-là. Alors concrètement, voilà, c'est la partie qui est en rouge ici. On a l'entrée naturelle qui est ici, donc l'igue dans laquelle s'était protégé Victor David. Et puis si on part sur la droite, on va dans ce que l'on appelle la salle blanche, tout simplement parce que les concrétions sont très blanches. Et puis de l'autre côté, c'est un long diverticule qui mène ensuite à une très grande salle que l'on appelle la salle rouge, parce que là, au contraire, on a des concrétions qui sont colorées par l'oxyde de fer et donc plutôt rouge, rouge foncé. Donc, c'est la première découverte, en tout cas la première mention que l'on a dans l'histoire de l'exploration de cette partie de la grotte du Pêche-Merle. Alors, vous en avez ici quelques images. Ce sont des images en noir et blanc, mais ce sont des photos de la salle blanche. Alors, la salle blanche, c'est une grande salle qui est un petit peu allongée. On est très proche de la surface. On voit des racines d'arbres apparaître dans la cavité. Cette partie est uniquement géologique. Il y a des concrétions, stalactites, stalagmites, de l'eau qui circule, des racines d'arbres, comme je le disais. Mais visiblement, bon, pas de dessin, pas de traces particulières, quelques ossements au sol peut-être d'animaux, mais qui pouvaient être récents. Et puis ça s'arrête là. Henri Redon, André Touzery, c'est la guerre, la Première Guerre mondiale arrive. Henri Touzery part à la guerre, n'en revient jamais. Et puis Henri Redon part sur Paris pour faire des études, notamment des études de médecine. Et il ne reviendra jamais sur le secteur de Cabrerets. À la fin de la Première Guerre mondiale, nous avons un personnage important qui arrive sur la commune de Cabrerets. Il s'agit de Amédée Lemozy. Amédée Lemozy, c'est le curé. En fait, il est nommé sur cette paroisse à l'issue de la Première Guerre. Et ce curé a une autre corde à son arc, c'est qu'il est déjà un préhistorien. Depuis une bonne dizaine d'années, il a fait ses premières armes en archéologie, il a fait quelques fouilles, il a fait des découvertes également dans le nord du Quercy, il a été vicaire à Rocamadour. Et il est nommé donc sur Cabrerets. Il ne serait pas arrivé tout à fait par hasard. Parce que au niveau de sa hiérarchie catholique, on aurait dit que du côté de Cabrerets, il aurait pu y avoir des vestiges préhistoriques intéressants à découvrir. Donc, il aurait été nommé là-bas pour explorer également et voir découvrir un certain nombre de choses. Et effectivement, il découvre assez rapidement, dès 1920, des grottes dans la vallée du Célé, notamment des grottes ornées, la grotte de Marcenac, qui se trouve juste à côté de Pêche-Merle et puis un petit peu plus loin dans la vallée. Il s'agit de la grotte Sainte-Eulalie. Et puis, ce curé, il est passionné par la préhistoire, par l'archéologie. Et à l'issue de son catéchisme qu'il fait régulièrement aux enfants de sa paroisse, eh bien, à la fin, il sort ses collections de préhistoire et puis il montre aux enfants des objets préhistoriques, des outils en silex, en disant aux enfants, écoutez, si vous trouvez ce type d'objet, ce type d'outil sur vos terres, dans les champs, prévenez-moi, montrez-les-moi, ça m'intéresse. Ça peut être
des objets préhistoriques qui révèlent des sites préhistoriques. Donc, prévenez-moi, c'est intéressant. Et puis, si jamais vous trouvez des grottes avec éventuellement des dessins dans les grottes, et ben là aussi, ça peut être des dessins importants, en tout cas anciens, qui dateraient de la préhistoire. Donc, prévenez-moi. Et en faisant ça, ben, bon, il a sensibilisé les enfants, il leur a apporté un enseignement sur la préhistoire. Quelque part, moi, je me demande s'il ne les a pas quelque part un peu incités en disant, voilà, si vous faites des découvertes, eh ben, prévenez-moi, ça peut être intéressant. Et sans doute que les enfants voulaient faire plaisir aussi au curé, qui était quand même une autorité au village. Alors, à cette époque-là, Cabroret a encore une école. On a là, ici, une photographie de l'école des filles aux alentours de 1920. Et puis, il y a l'école des garçons également. Alors là, on n'a pas la date précise, mais dans la partie ici qui est cernée de bleu, on voit ici un jeune homme qui s'appelle André David et qui est le fils de Victor. Cet André David a une petite sœur. Sa petite sœur s'appelle Marthe. Et André David a entendu parler donc de la découverte de son père, en tout cas de cette igue dans laquelle il s'était réfugié, et puis de ces deux jeunes gens de Tournefort qui avaient exploré la salle rouge, la salle blanche. Et André David, alors qu'il avait moins d'une dizaine d'années, entend ça, et puis il se dit, ben, là, ça m'intéresse, enfin, j'aimerais explorer moi aussi, et puis peut-être qu'il y a des trésors à trouver, et puis peut-être qu'il y a des choses vraiment importantes à aller voir, je voudrais y aller. Et c'est ce qui va se passer. Alors, à cette époque-là, voilà quelques images là du village de Cabroret. Ça permet de situer un petit peu, comment dire, le contexte. Hein, ces quelques images de l'époque, Cabroret au début du XXe siècle. Alors, André David va faire quelques explorations, accompagné par le garçon de ferme qui s'appelait Henri Dutertre. Et en 1922, André David, accompagné par sa petite sœur et accompagné par André Dutertre, vont découvrir un passage qui va les mener aux galeries préhistoriques. Alors, je vous montrais là tout à l'heure la salle blanche, la salle rouge. Et en fait, à partir de la salle rouge, il y a ici un petit boyau relativement long qui fait 140 mètres de long. Et ce boyau, c'est ce boyau qui va être franchi donc, en septembre 1922. Et qui va aboutir à la découverte de tout cet ensemble assez important qui a été fréquenté par les préhistoriques, qui a été orné par les préhistoriques. Alors ce passage, lorsque les enfants sont passés pour la première fois, ils ont dû briser les concrétions pour pouvoir passer. Donc c'est bien la preuve là qu'ils étaient les premiers à franchir ce passage. Et vous avez ici toute la partie grisée, c'est une partie où on a retrouvé des vestiges préhistorique ou majoritairement des dessins. Alors, avant d'aller plus loin, quand même quelques images sur les dessins qui ont été découverts en 1922. Un des grands panneaux, c'est la frise noire, un grand panneau qui fait 7 mètres de long sur 2,50 mètres de hauteur à peu près. 25 animaux sont représentés ici, des dessins au trait noir, des dessins qui ont été tracés avec du manganèse. Alors, sur cette frise noire, il y a beaucoup de figures animales. On voit ici un mammouth dessiné avec un auroch. Un autre mammouth ici, réalisé par-dessus ces marques rouges. Ces marques rouges, c'est de l'ocre. Une des plus jolies figures ici, c'est le petit mammouth, qu'on appelle le jeune mammouth, avec la mention de son lainage. Des figures assez rares pour l'époque, c'est des figures humaines. Et là, ici, vous avez la figure de l'homme blessé. Accompagné en haut à gauche, là vous voyez un signe, une sorte de grand T majuscule, qui est un signe qu'on appelle aviforme, hein, en forme d'oiseau, comme si c'était un oiseau qui déployait ses ailes. C'est un motif qu'on retrouve dans quelques autres grottes ornées. Ici, vous avez un auroch tracé à l'ocre rouge. Et là, c'est le dessin de la découverte. Les trois enfants, en arrivant dans la salle des peintures, ils ont découvert cette main au pochoir, cette main rouge, accompagné de ces ponctuations rouges, et c'est en voyant cette main qu'ils ont compris qu'ils avaient trouvé quelque chose d'important. Ça a été la première figure qu'ils ont vue, et en progressant un peu plus loin dans la salle, ils ont découvert d'autres figures, dont la frise noire dont on vient de parler, et puis surtout le panneau des chevaux ponctués, qui est le chef-d'œuvre, le grand panneau de Pechmerle,
et qui reste très marquée par... enfin, voilà, c'est la figure qui identifie vraiment Pechmer. Bon, je ne vais pas rentrer dans une description de ces dessins, ce n'est pas l'objet. Alors, après la découverte, donc septembre 1922, Amédée Lemozy est immédiatement prévenu. Il se rend sur place, voit les dessins, confirme l'authenticité de ces dessins. Et assez rapidement, eh bien, il va décider que, vu la qualité des dessins, leur état de conservation, il se dit, on ne peut pas garder ça pour nous. Ça, il faut qu'on puisse le montrer au public. Et très rapidement, la décision est prise de pouvoir aménager la grotte pour l'ouvrir au public. Et en fait, les aménagements vont commencer très, très tôt. Alors... Une fois que la grotte est découverte, bien sûr, ça se fait savoir. L'abbé Breuil passera sans doute dans le courant de l'année 23. On n'a pas tout à fait de date par rapport à ça. Et il aurait déclaré à cette occasion que Pechmer était la chapelle Sixtine des Causses du Lot. C'est un des monuments de l'art pictural, un des monuments majeurs de l'art pictural paléolithique. Il faut dire qu'à cette époque-là, on est quand même 18 ans avant la découverte de Lascaux. Alors, les aménagements de la grotte vont commencer très rapidement. Et en fait, c'est Amédée Lemozy, le prêtre préhistorien de Cabreret, qui va être à l'origine de ça et qui va mobiliser les forces vives du village. Et en particulier, le châtelain, il s'appelle Jean Le Body, et sa cousine, mademoiselle de Gouvion-Saint-Cyr. Alors, Jean Le Body est un industriel du sucre, donc il vit confortablement. Et il va devenir le mécène, en fait, de Pechmer. Très rapidement, la grotte est achetée à la famille David. Auparavant, on appelait ça la grotte David. Et à partir du moment où Jean Le Body en fait l'acquisition, bien la grotte change de nom et ça devient la grotte du Pechmerle. Alors, une des plus anciennes photos que l'on a de l'entrée naturelle de la grotte, c'est celle-ci. Vous avez ici sur la gauche André David. Juste à côté de lui se trouve sa petite sœur, Marthe. Alors, à cette époque-là, André David a 16 ans, sa petite sœur en a 13. Et puis le troisième larron, hein, le troisième inventeur de la grotte, c'est Henri Dutertre qui, lui, devait avoir une quinzaine d'années. À droite, ici, vous avez monsieur et madame Le Body. Et on voit là, ici que ces dames tiennent une bougie à la main. Et monsieur Le Body, lui, tient une lampe à acétylène. Et tout ce beau monde s'apprête à descendre dans la grotte. Et là, vous avez Victor David, donc le père de André et Marthe. Alors... Avant que les aménagements commencent, Amédée Lemozy engage tout de suite l'étude des dessins. Il va piloter en même temps les aménagements de la cavité, mais lui va en commencer l'étude scientifique et il va commencer à relever les dessins. Alors on le voit ici dans son presbytère laboratoire, comme il l'appelle, où il a gardé l'ensemble de ses collections et de ses premiers travaux. Le premier travail qu'il va réaliser, c'est de faire un relevé topographique des galeries dans l'idée de percer un tunnel pour accéder directement dans les parties préhistoriques. Parce que c'est vrai qu'en passant par l'entrée naturelle, ensuite il faut traverser les parties géologiques, traverser ce long boyau de 140 mètres avant d'accéder aux parties préhistoriques, c'est quand même difficile, c'est éprouvant. Et on imagine bien que faire tout ce trajet-là, muni de l'éclairage, muni du matériel de cordes, etc., plus le matériel de relevé et de dessin pour faire l'étude de la grotte, c'est quand même assez éprouvant. Donc, un des premiers travaux menés par Amédée Lemozy, c'est de faire le relevé de la grotte. Voici le plan qu'il fera à l'époque. Et puis donc, le deuxième travail, c'est de faire le relevé des œuvres, le relevé des peintures. Et pour cela, il sera aidé par André David. Alors, une fois le tunnel d'accès aux galeries préhistoriques sera percé à la fin de l'année 1923. Et à partir de fin 23, les choses sont beaucoup plus simples. Ça va mieux, on peut rentrer facilement dans la grotte. C'est plus facile pour l'étudier. Et puis, on peut commencer à faire les aménagements de la cavité. Alors là, vous avez le tunnel d'accès, l'escalier d'accès aux galeries préhistoriques en cours de réalisation. Et puis là, vous l'avez une fois réalisé. Une fois que cet aménagement est fait, c'est tout l'intérieur de la grotte qui est aménagé. Donc, il y a les petits passages qui sont agrandis, hein, au burin, au marteau, au burin. Des passerelles sont installées, des escaliers sont installés, tout ça en bois.
des grillages sont posés pour bien guider le public, pour éviter que tout le monde ne s'éparpille pas. Et tous ces travaux vont demander beaucoup de journées de travail. Pour ça, ce sont des fermiers du coin, des ouvriers. Et la famille David a gardé, on a retrouvé il y a une quinzaine d'années, des petits bulletins de salaire, dont vous en avez un ici à l'écran, reçus de David, Victor David. Donc la somme de temps pour 13 journées de travail fait aux grottes du Pêche-Merle pendant le mois d'octobre. Et donc ça, c'est signé par un certain Andrieux. Voici un autre bulletin de salaire, entre guillemets, donc pour 7 journées de travail et 9 heures, ce qui veut dire que 9 heures ne correspondait pas à une journée de travail. Et là, c'était par un monsieur Pradod qui ne s'est pas signé. Voilà encore un autre. Alors là, il y en a des dizaines et des dizaines qui ont été retrouvés dans une boîte d'archives. Et au final, en fait, on arrive à comptabiliser l'ensemble du travail réalisé. Et entre 1923 et 1925, ça totalise 2533 journées de travail réalisées par 37 ouvriers. Et à cela s'ajoute donc l'achat de fournitures pour un montant de 65 000 francs. Donc au total, le coût des aménagements en 1925 était de 122 000 francs de l'époque, ce qui équivaut à peu près à 110 000 euros d'aujourd'hui. Alors quelques images de ces personnes qui ont œuvré à l'aménagement de Pêche-Merle. Voici un certain Paul Armand avec ses vaches. Les journées avec vaches et carrioles étaient payées plus cher, hein, bien entendu. Voici un certain Émile Bouscari avec ses bœufs. Donc les travaux d'aménagement se font entre 1923 et 1925 et les toutes premières visites se font en 1926. Enfin, ça c'est l'ouverture officielle de la grotte au public, mais on sait que les premières visites datent de 1924. À partir du moment où les premiers aménagements sont réalisés, la grotte est ouverte au public. Et vous avez là quelques cartes postales qui ont été tirées au début des années 30 à peu près, et qui montre les premiers aménagements de la grotte, avec ici un escalier et une passerelle en bois. Alors on peut imaginer le bois avec l'humidité de la grotte, ce que ça pouvait donner. À mon avis, c'était sans doute un peu glissant. Voilà ici la cascade des Perles, aménagée également avec un escalier qui passe devant. Alors, pendant les travaux d'aménagement et pendant ces premières années d'ouverture au public, Amédée Lemousier a poursuivi son travail d'étude, puisqu'il a été en réalité le premier chercheur à étudier les dessins. Et il va publier l'ensemble de son travail en 1929 avec sa monographie qu'il appelle « La grotte-temple du Pêche-Merle ». Et cet ouvrage a été édité avec l'aide financière à nouveau du châtelain Jean Lebody. L'année suivante, pour faire la promotion et faire connaître cette cavité, Amédée Lemousie part faire une tournée de conférences en Angleterre sous l'auspice de l'Alliance française. Donc, à travers 11 villes d'Angleterre, il va comme ça faire toute une itinérance pour présenter, à l'aide de photographies, on suppose, les peintures, les dessins de Pêche-Merle. Alors, après cette aventure qui a duré plusieurs années de l'aménagement et de l'ouverture au public de la grotte, Amédée Lemousie se lance dans une autre aventure qui est la création d'un musée de préhistoire. Ce musée aura demandé 3 années de préparation et c'est en 1934 que ce musée ouvre dans le village de Cabreret, dans une maison qui aura été restaurée à nouveau par Jean Lebody, toujours le mécène, et dans une grande salle, Amédée Lemousie va présenter ses collections qu'il a accumulées au cours de ses différentes fouilles et de ses découvertes. Et vous avez là les deux seules photographies que l'on connaisse de ce premier musée de préhistoire. Et l'on voit ici des vitrines, bien sûr, avec les objets. Et puis on voit au fond, là, les relevés des dessins de la grotte de Pêche-Merle. On retrouve également des dessins d'autres cavités, comme la grotte Marsenac ou la grotte Sainte-Eulalie qu'il a découvert par ailleurs. Alors pendant ce temps-là, les visites de la grotte se poursuivent à la lampe à Sept-Hélène et il faut attendre 1937 avant la première électrification de la grotte avec des éclairages assez importants, sans doute un peu violents pour la conservation de la grotte, mais enfin, c'est l'époque. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
La grotte continue d'être ouverte, mais avec un nombre de visiteurs qui est de l'ordre de 3000 à peu près. Et puis ensuite, les visites reprennent normalement à l'issue de la Seconde Guerre mondiale avec André David. André David qui a été en fait dès le départ et qui le restera toute sa vie, le guide de Pêche-Merle. Alors j'ai dit deux mots sur le musée de préhistoire qui s'est ouvert en 1934. En 1942, donc, le musée est déplacé au château de Cabreret. Donc on voit ici la demeure de Jean Le Body et de sa cousine, Mademoiselle de Gouvion-Saint-Cyr. Et il y a plusieurs salles qui sont aménagées pour recevoir, pour accueillir le musée. Et à cette occasion, les salles du musée sont électrifiées, elles aussi, pour pouvoir avoir l'accueil du public. Voilà, ici vous avez quelques photographies. Ce sont des cartes postales du musée installé au château, donc dans les années 40. Et puis à partir de 1945, le musée va recevoir également des collections d'ethnologie africaine. En fait, Jean Le Body est également un mécène d'un africaniste connu, Marcel Griol. En retour, Marcel Griol cède à Jean Le Body donc quelques-unes de ses collections qui viennent du pays des Dogons notamment. Et Amédée Lemozy, qui est le conservateur du musée à l'époque, eh bien, va mettre en place une muséographie où il va confronter ses collections de préhistoire et les objets d'ethnologie africaine. Alors c'est une époque révolue maintenant, mais où on associait quelque part, on associait, oui, préhistoire et un peu dit primitif africain, comme si en fait les Africains à ce moment-là étaient quelque part des survivants de la préhistoire. Alors bien sûr, on est sorti de cette époque-là, heureusement, mais c'était une présentation qui avait été faite au musée du Trocadéro, hein, déjà dans les années 30. Alors, dans le courant des années 40, on a le musée de préhistoire qui s'enrichit d'un certain nombre de collections de préhistoriens locaux. Là, en l'occurrence, vous avez une image d'André d'Armand Viré, qui est un spéléologue et préhistorien lotois et qui va devenir chercheur au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Un autre de ces donateurs, c'est André Niederlander, qui a été maire de Rocamadour pendant un temps, qui a été aussi préhistorien et qui a fait de nombreuses découvertes dans le nord du Quercy. Donc voilà, entre 1942 et 1960, le musée comme ça s'enrichit d'un certain nombre de collections apportées par différents préhistoriens. Et du coup, le musée prend de l'ampleur. Et progressivement, il va s'affirmer comme étant le musée de préhistoire régionale du Quercy. À la fin des années 40, il y a un événement à Pêche-Merle. André David, à nouveau lui, âgé de 43 ans, va découvrir une nouvelle partie de la grotte. En fait, il y a quelque chose qui le titillait depuis pas mal de temps. C'est que quand on est à Pêche-Merle, il y a un arbre qui reste toujours vert. Un chêne du Causse qui reste toujours vert. Alors, ce qui est assez étonnant, parce que là-bas, sur le Causse, on n'a quand même pas beaucoup de sol. Hein. Le sol, ça fait 10 cm, 10-15 cm. Tout de suite, on tombe sur la roche calcaire. Et là, malgré les étés de forte sécheresse, cet arbre, ce chêne, reste toujours vert. Et ça, ça l'a titillé. Et en 1949, donc, se lance un défi en disant, si cet arbre reste toujours vert, c'est qu'il doit y avoir une cavité dessous. Si une cavité se trouve à cet endroit-là, il faut que je la découvre. C'est la continuité de Pêche-Merle, c'est la suite. Et il va se donner 3 semaines, 21 jours, pour découvrir la suite des galeries connues de Pêche-Merle. Et pelle, pioche, il va traverser comme ça, il va creuser en direction de cet arbre. Et au bout de 20 jours, il va tomber sur une nouvelle partie de la grotte, qui est la partie que l'on va appeler le combel, que vous voyez donc ici. Donc là se trouve l'entrée artificielle qui a été créée donc en 1923 et par lequel les visiteurs pouvaient rentrer. C'est toujours cette entrée que l'on utilise aujourd'hui, hein, cette entrée artificielle. Ici, quand on arrive au pied des escaliers, il y a en fait un cône d'éboulis qui bouche complètement la cavité. Et en fait, c'est ce cône d'éboulis qu'André David a traversé pour découvrir donc cette partie ici, que l'on appelle la galerie du Combel, et qui renferme un certain nombre de dessins. Alors parmi ces dessins, on a des plafonds avec ces grosses ponctuations rouges, d'un rouge très soutenu, hein, on les voit bien, ça paraît très frais en fait quand on les voit aujourd'hui. On a le panneau du lion, alors là on voit deux chevaux
Et puis là, on voit le lion dessiné donc à l'ocre rouge. Et puis enfin, on a un autre panneau qui est appelé le panneau des antilopes. Alors, ce ne sont pas vraiment des antilopes, ce sont des animaux imaginaires, hein, c'est des animaux fantastiques qui sont composés de différents animaux. Ici, par exemple, on retrouve la bosse du mégacéros. On a ces petites têtes avec ses cornes. C'est pour ça que ces animaux ont été appelés antilopes. Et ici, il y a une petite queue identifiée comme étant une queue de bouquetin. Voilà, et on voit alors, ces images-là, ce sont les relevés faits par Amédée Lemozy, parce que bien sûr, dès la découverte, Lemozy revient sur place et puis il entreprend l'étude. Et donc là, ce sont les relevés faits par Amédée Lemozy. Donc cette découverte date de 1949. Et à l'issue de cette découverte, Jean Le Baudy, qui était toujours le propriétaire de la grotte, dit « bon, ben, maintenant c'est bon ». La grotte, elle est aménagée, le tourisme fonctionne, les gens viennent visiter. Donc, je cède la grotte, la cavité, et je la cède à la commune. Il a pratiquement donné la grotte aménagée donc, à la commune de Cabroret. Mais à partir de ce moment-là, ben, la commune, elle se trouve un peu dépourvue. Elle ne sait pas trop comment faire avec ça. Et elle souhaite en faire la délégation. Elle ne veut pas s'en occuper en direct. Et elle veut faire une concession et déléguer la gestion du site à quelqu'un. Et c'est une Madame Bessac du village de Cabroret donc, qui va récupérer la concession. Et cette Marthe Bessac est mariée à un certain Abel Bessac. Et c'est surtout Abel Bessac qui va être vraiment le pilote dans cette affaire-là. Et en étant les nouveaux gestionnaires, Abel Bessac va vraiment révolutionner en fait, la cavité. Avec la découverte du Combel, eh ben, il va décider d'augmenter la visite et de faire un parcours qui permet de rentrer en tout cas dans cette partie-là de la grotte. Alors pour ceux qui ont visité Pêche-Merle, la galerie du Combel, c'est celle qui commence avec une grande racine d'arbre. Cette grande racine d'arbre, eh ben, c'est la racine du chêne qui restait toujours vert à l'extérieur. Donc, il étend le parcours de visite donc, à la galerie du Combel. Et puis, il va ouvrir quelques salles, notamment la salle de l'ossuaire, qui ne se visite plus aujourd'hui. Il va réaliser la construction du hall d'entrée de la grotte, qui est toujours en place. Et quand vous venez visiter Pêche-Merle, vous pénétrez dans la grotte par cette entrée qui se trouve ici et qui, en fait, récupère l'escalier d'accès qui a été créé en 1923. Alors, sous l'impulsion d'André Bessac, il va y avoir pas mal de choses. Il va mettre en place des photographies de groupe dans la grotte et ces photos souvenirs vont être vendues aux visiteurs. Il va, paraît-il, diffuser de la musique, du Bach, avec des haut-parleurs dans la grotte. Donc là, c'était pour rendre un petit peu la chose un peu plus encore spectaculaire. Et puis, c'est sous son impulsion que la grotte va être classée monument historique en février 1951. Et ça va lui servir. Ça va lui servir l'année d'après. Parce que l'année d'après, il y a un visiteur un peu particulier qui se présente au mois de juillet 52, en début d'après-midi. Il y a un certain André Breton qui avait élu domicile dans le village voisin de Saint-Cyr-la-Popie et qui s'intéresse à l'art préhistorique, vient visiter Pêche-Merle donc en après-midi de juillet, visiblement après un repas un peu arrosé. Et donc, il descend avec trois ou quatre personnes faire la visite. Et ce jour-là, le guide, c'est Abel Bessac. Et au début de la visite, en passant devant la frise noire, André Breton touche du doigt une peinture de la frise noire. Et il se rend compte qu'il y a un petit peu de noir qui lui reste sur le bout du doigt. Alors, il dit à ce moment-là au guide, mais attendez, vous nous présentez ça comme étant des peintures préhistoriques. J'y crois pas, la peinture, elle n'est pas encore sèche. Donc, ça ne peut pas être des peintures préhistoriques, je ne vous crois pas. Et Abel Bessac, on le voit ici à cette époque-là, Abel Bessac réagit, bien entendu, en disant « mais vous n'avez pas le droit de toucher ces dessins. Ce sont des dessins qui sont authentiques, qui datent effectivement de la préhistoire. Et je ne vous laisserai pas, dans ma visite, toucher des dessins comme ça du bout du doigt sous prétexte de vérifier l'authenticité. » André Breton aurait répondu « mais monsieur, vous ne savez pas qui je suis. Je suis Breton. » Bessac lui aurait répondu « Breton ou Normand, je m'en fous, je vous chasse. » Il y a eu une altercation quand même, hein, parce qu'André Breton n'a pas voulu se laisser faire.
Il n'a pas voulu se faire comme ça, renvoyer de la visite. Ils en sont faillis, ils n'en étaient pas loin d'en arriver aux mains. En tout cas, après cette affaire-là, Abel Bessac, qui a peut-être senti un petit peu le coup venir, a porté plainte contre André Breton pour dégradation de monument historique. Et ça va se solder par un procès d'André Breton au tribunal de Cahors à l'été 53. Et André Breton va être condamné à une forte amende pour dégradation de monument historique. Alors, il y a eu à ce moment-là énormément de buzz, comme on dirait aujourd'hui, d'articles de presse, les uns se rangeant derrière André Breton et puis les autres se rangeant derrière Abel Bessac pour la protection des dessins préhistoriques. Alors voilà quelques-unes de ces photos qu'Abel Bessac a mis en place, les photos souvenirs qui datent des années 50. Alors, c'est une photo qui était prise à côté des empreintes de pas, hein, pour ceux qui connaissent la cavité. Bon, c'est une autre image où on voit des jeunes gens, on disait en culotte courte, voilà, accompagnés sans doute par un curé qui organisait la sortie. Voilà, ici une petite famille. Alors tout va bien à Pechmerle, la grotte suit sa vie, le musée de préhistoire fonctionne de son côté au village, mais en 1964, le châtelain Jean Lebaudy vend le château. Et à partir du moment où il vend le château, le musée doit fermer ses portes. À partir de ce moment-là, toutes les collections d'ethnologie africaine sont rétrocédées ou cédées, données pour partie au musée de l'Homme et de l'autre côté à l'université de Strasbourg. Et puis concernant toutes les collections de préhistoire de Lemozy et de tous les préhistoriens qui ont donné ces collections, l'ensemble est donné à la commune de Cabroret, gracieusement, et en contrepartie, la commune s'engage à créer un nouveau bâtiment pour installer le musée de préhistoire. Et ce musée se fera sous la direction d'un certain Michel Lorblanchet, qui dès 1968 est pressenti pour être le conservateur. Alors, Michel Lorblanchet va s'évader pendant quelques années du côté de l'Australie, et puis il reviendra courant des années 70 et élaborer le projet de musée. Et c'est en 1979 que le musée de préhistoire de Cabroret, déplacé donc sur le site de Pechmerle, sera bâti. Alors vous avez ici l'entrée de la grotte et le musée ici qui est construit et qui ouvrira ses portes donc en avril 81. Alors ce musée donc a été réalisé par Michel Lorblanchet, la sélection des expositions, enfin la sélection des objets de la collection qui sera présentée. Et puis il sera aidé également par le conservateur des antiquités préhistoriques de l'époque pour la région Midi-Pyrénées, qui était Jean-Claude. Et donc le musée donc, ouvre ses portes en avril 81 avec deux salles. Une salle consacrée à la préhistoire de la région, donc qui conserve un petit peu cette vocation de préhistoire régionale du Quercy, et puis une autre salle sur l'art pariétal. Alors Michel Lorblanchet, qui était sur place, qui faisait les études de Pechmerle, mais également des autres grottes ornées du Quercy, va pressentir qu'avec l'ouverture de ce musée, ça amène une plus grande affluence dans la grotte de Pechmerle. Et il va saisir les laboratoires de recherche des monuments historiques pour faire quelques relevés et avoir quelques éléments déjà de conservation préventive pour éviter la dégradation des dessins. Et à la suite de ses premières observations, en 1985, il y a une limitation qui est mise en place pour la conservation des peintures. Et le nombre de visiteurs qui peuvent rentrer dans la grotte est limité à 700 par jour, avec des groupes limités à 25 personnes par guide, et la durée de visite ne devant pas excéder 50 minutes. Ça, c'est les préconisations du ministère de la Culture et la commune, après quelques réticences, à accepter de les mettre en place. Et ces limitations sont toujours en cours actuellement pour la visite de la grotte de Pechmerle. Alors, en 1985, Michel Lorblanchet quitte ses fonctions de conservateur du musée et reprend sa vie de chercheur, poursuit l'étude de la grotte de Pechmerle, entre autres. Et il va vraiment s'attarder sur la totalité des figures de la grotte. Alors, simplement pour illustrer un petit peu le travail réalisé par Michel Lorblanchet, vous avez ici un de ces relevés de la frise noire.
où il va bien sûr décrire l'ensemble des dessins, mais il va également, en faisant des observations très près de la paroi, retrouver les superpositions de tracés qu'il y a sur les différentes figures. Et en faisant cela, eh bien, il va pouvoir recomposer en fait, l'ordre de réalisation des dessins de cette grande composition de la frise noire. Autre élément également, il va regarder la manière dont les dessinateurs ou les personnes qui sont intervenues sur cette paroi ont dessiné. Et il va repérer le geste de l'artiste. Il va repérer des petits détails sur la manière de dessiner, sur la manière de représenter les animaux qui vont l'amener à une conclusion qu'il s'agit d'un seul dessinateur qui a réalisé l'ensemble de ses dessins. Donc la frise noire, ce ne serait pas une composition de différentes personnes à différentes périodes, ce serait la réalisation d'un seul dessinateur et qui, d'après Michel Lorblanchet, aurait fait l'ensemble d'un seul coup, ce qui lui aurait pris à peu près une heure et demie de réalisation. Et donc, à la suite de ça, de ce travail, eh bien, Michel Lorblanchet peut proposer une restitution de la réalisation de la frise noire, avec tout d'abord les premiers tracés, qui sont ces marques rouges que l'on voyait tout à l'heure là, sur le mammouth. Ensuite, le premier dessin qui est tracé, c'est ce cheval, ici au centre, avec ici une ligne dorsale, vraisemblablement également d'un cheval. Ensuite, on a les bisons, ici, représentés par-dessus le cheval de départ, et puis là, deux autres représentations assez sommaires de bisons. Ensuite vient tout un ensemble de mammouths qui vient entourer en fait ce couple de cheval-bison. Et enfin, on a ici les aurochs qui arrivent par la gauche et qui reviennent vers le centre de la composition. Et donc Michel Lorblanchet parle là de composition en spirale, donc avec le dessin initial, celui du cheval, les bisons qui l'accompagnent, tout autour une sorte de grande ronde faite par les bisons, et enfin les aurochs qui arrivent par la gauche. Il va s'essayer à l'expérimentation. Il va reproduire un certain nombre de ses dessins dans une cavité du Quercy, en se mettant dans les mêmes conditions, en utilisant la lampe à graisse, comme on le voit ici à l'écran, et puis en utilisant un crayon de manganèse pour représenter ses figures. Et c'est par cette expérimentation qu'il arrive à avoir une estimation de la réalisation de l'ensemble des dessins, une heure, disons une heure et quart, une heure et demie, si on compte le temps de recharge de la lampe ou ce genre de choses. Autre travail qu'il aura mené, mais ça reste des exemples, hein, parce qu'il a fait un travail considérable dans l'étude des peintures, c'est sur le panneau des chevaux. Avec Cougnac, Pechmer a été une des premières grottes du Quercy qui a bénéficié d'une datation carbone 14. Alors l'ensemble du dessin au trait noir ici, c'est du manganèse, mais en y regardant de plus près, il s'est aperçu que il y avait le manganèse qui était sur la roche, sur le manganèse une fine pellicule de calcite, et par-dessus cette pellicule de calcite, un petit peu de charbon de bois, le charbon de bois de genévrier. Et il va prélever quelques milligrammes de charbon de genévrier pour en faire une datation au carbone 14. Ça, c'est une date qui a été faite au milieu des années 90. À l'époque, ça donne une datation de 24 660. Et ça a été recalibré depuis, dans les années 2012-2013. Et aujourd'hui, on en est à une datation aux alentours d'il y a 29 000 ans pour cette datation-là, qui est une recharge, hein, qui est une retouche. Donc le dessin initial fait au manganèse est plus ancien. En tout cas, pour ceux qui veulent en savoir davantage, je vous renvoie vers les publications de Michel Lorblanchet, où il a compilé, après 40 années de travail, l'ensemble de ses connaissances sur les grottes ornées du Quercy. Donc, son ouvrage date de 2010. Il a été réédité en 2016 avec quelques compléments, notamment ces compléments de datation dont je viens de parler. Dans le courant des années 90, on reprend également le suivi environnemental, et notamment le suivi climatologique de la cavité. On essaye de comprendre comment fonctionne naturellement la grotte, et le but, c'est de pouvoir préserver le mieux possible les dessins. Alors ça se fait sous l'égide de la DRAC, hein, le ministère de la Culture, qui missionne un certain François Bourges pour mener ses études. Et donc chaque année, il y a un rapport qui est établi et qui montre les variations de température que l'on observe tout au long de l'année. Alors vous avez en rouge là, ça c'est les variations de gaz carbonique. Et puis ici, les différentes courbes de couleurs qui sont en bas, ce sont les températures. Alors sont pris en simultané et on continue toute l'année des températures de l'air
et température de paroi. Et donc, comme ça, on peut mesurer le gradient, la différence qu'il y a entre les différentes températures. Et vous voyez ici sur cette courbe qui est en gris ici, on a cette courbe avec pas énormément de petits pics. C'est un capteur qui se trouve près du circuit de visite du public. Et chaque pic correspond au passage d'un groupe de visite. Donc on voit là l'impact thermique de la présence du public. Alors là, on est sur des dixièmes de degrés, hein. Il faut voir aussi l'échelle. Mais on se rend compte malgré tout qu'il y a quand même un impact de la présence du public et donc il faut y faire attention. En même temps, on observe une augmentation régulière de la température tout au long de l'année, mais ça correspond aussi à un échange naturel d'air qui se passe avec l'extérieur. Et forcément, en juillet, août à l'extérieur, l'air est plus chaud qu'en hiver. Donc on a comme ça une variation, un cycle annuel qui se reproduit chaque année. Et on considère qu'à la fin de chaque année, à partir de décembre, janvier, la grotte revient progressivement à un état proche de son état stable naturel. Il y a eu, dans le courant des années 2010, un diagnostic karstologique, hydrologique. Donc là, l'idée, c'était d'avoir une idée un petit peu du connaissant du fonctionnement de l'encaissant. Hein. La grotte se trouve dans un milieu calcaire et donc le but, c'était de mieux comprendre comment fonctionnait l'environnement de la cavité et d'identifier d'éventuelles sources de pollution. Alors ça, c'est un diagnostic qui a été mené par la société Proté, c'est Hubert Camus qui a réalisé ce travail-là. Vous avez ici donc le plan de la grotte, ici les parties préhistoriques et ici les parties géologiques, le réseau supérieur. En bleu, ce sont les surfaces qui ont été aménagées, liées à l'ouverture de la grotte et l'aménagement du musée, avec la route départementale d'accès ici. Et donc ce diagnostic a permis d'identifier... d'une part que la partie à l'aplomb direct de la grotte avait été quand même pas mal aménagée. Donc du coup, ça a sans doute modifié les infiltrations, les circulations d'eau. Et puis éventuellement quelques sources de pollution potentielles. Par exemple ici, on a un transformateur EDF. Si jamais ce transformateur prenait feu, brûlait, ça pouvait engendrer des risques avec son extinction et l'infiltration des eaux pour l'éteindre. Enfin bref, on prend conscience progressivement en fait de la fragilité du milieu. On le savait déjà, mais disons qu'on arrive à le qualifier, on arrive à le quantifier et donc à prendre des mesures pour pouvoir éviter donc une dégradation éventuelle des dessins. Sachant que par l'observation visuelle, on n'observe aucune dégradation des dessins. Depuis la découverte, il n'y a pas eu de problème de conservatoire, en tout cas, des figures. Il n'y a pas de dessins qui se sont complètement effacés, il n'y a pas de taches vertes qui se sont développées. La grotte est bien préservée. Et sans doute que la limitation mise en place à partir des années 80 a effectivement joué son rôle. Alors toujours pour préserver la cavité, eh bien on mène différentes mesures, comme là par exemple à partir de 2012, on limite le nombre de personnes présentes en simultané dans la cavité. Auparavant, il pouvait y avoir jusqu'à 5 groupes de visites présentes en simultané dans la grotte. On nous a dit non, il faut limiter. Si on passe de 120 à 100 personnes en simultané dans la grotte, tout de suite, ça va avoir un impact sur les variations climatiques de la cavité. Et effectivement, c'est ce que l'on voit. On a ici, alors peut-être que ça ne se voit pas trop ici, on a en bleu là, ici, enfin en vert plutôt, ici des pics. Ça, c'était les moments où on a jusqu'à 120 personnes dans la cavité. Et à partir du moment où on a réduit le nombre de présences à 100 personnes dans la grotte, tout de suite, on a un impact beaucoup plus faible pour le climat de la grotte. Toujours dans les années 2010, on modifie l'éclairage également, là aussi pour limiter le dégagement de chaleur, et il n'y a pas eu de changement observé. Ça a été une surprise. On avait des lampes à incandescence, on a remplacé par des éclairages LED, donc éclairage plus froid, et en fait, il n'y a pas eu de changement dans le relevé des températures de la cavité. Par contre, depuis 2015, les enregistrements montrent que depuis 2015, entre les années 2010 et 2015, il y a une dérive qui se met en place.
une dérive thermique qui est attribuée au réchauffement climatique global. Alors ça, c'est un peu une surprise, parce que la problématique qui se posait jusque dans les années 2010, c'est de dire, attention, vous êtes dans un milieu fragile, la présence de visiteurs dans la cavité peut entraîner une dérégulation du climat, et on va essayer de revenir systématiquement à un état stable de la grotte. Aujourd'hui, on n'est plus dans les mêmes problématiques, c'est-à-dire que le climat stable de la cavité, on pense qu'il n'existe plus vraiment. Et qu'aujourd'hui, on est sur une augmentation légère de la température liée à un réchauffement de la température de la surface du globe et qui impacte donc maintenant le milieu souterrain. Et là, on voit qu'on a cette augmentation progressive. Alors, sur une décennie, c'est de 0,3 degrés, cette augmentation. Mais disons que si ça se poursuit sur les 20, 30, 40 ans qui viennent, on rentre dans un domaine où là, on ne sait pas trop comment les choses peuvent évoluer. Donc là, aujourd'hui, c'est suivi de très près ces histoires de climat. Et puis, on limite, depuis qu'on a ces informations, on limite la durée de présence dans la grotte. On est passé de 50 minutes à 43 minutes. On a réduit encore un petit peu le temps de présence dans la cavité de manière préventive. Alors, connaître le bon fonctionnement de la cavité, ça semble essentiel maintenant pour pouvoir tout mettre en place pour préserver les dessins, bien entendu pour les générations futures. Ces dernières années, il y a eu une numérisation complète de la cavité. Donc, il y a eu un scan en 3D de l'ensemble du réseau qui a été fait par là, des chercheurs de Toulouse. Et le but, en fait, c'est de créer un modèle numérique de la cavité, une sorte de modélisation. Alors, les volumes de la grotte sont bien entendu très complexes, très tarabiscotés. Et l'idée, c'est de simplifier ces volumes-là pour pouvoir mettre sur ce modèle numérique l'ensemble des données qui sont mesurées. Les questions de température, de circulation d'air, on compte également les particules présentes dans l'atmosphère de la cavité. Et donc, toutes ces données recueillies depuis plusieurs années dans la grotte, l'idée, c'est de pouvoir les insérer dans ce modèle numérique pour avoir en fait quelque chose de plus facile, de plus simple, mais qui permet de faire évoluer. Par exemple, tiens, si on fait changer la température, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue aérologique, d'un point de vue formation de calcite? Tiens, si on fait modifier les écoulements d'eau, quel impact ça peut avoir sur telle ou telle partie de la grotte. Alors là, ce sont des recherches qui sont menées depuis, disons, 5 ans. Maintenant, on est en 22, oui, depuis les années 2015-2016. Donc, ça fait un peu plus, disons, 7 ans, où il y a en fait une ouverture de l'étude de la grotte à différents champs. Il y a une diversification, oui, des mesures. Donc, j'ai parlé des relevés 3D. Aérologie et température, mais il y a Dominique Gentil qui étudie les égouttements et la formation de calcite actuelle, et on va voir également étudier la calcite ancienne, mesure de particules, mesure du radon, ça c'est plus pour le personnel qui travaille. Alors tout ça se fait sous l'égide de François Bourges, avec sa société Géologie Environnement Conseil. Et puis, depuis, il y a pas mal de chercheurs de différentes universités, différents laboratoires qui sont venus se joindre pour, chacun dans leur discipline, compléter les études et avoir une meilleure connaissance du site. Et l'ensemble de ces chercheurs vient de se constituer, ça date de l'an dernier, 2021. Ils ont créé un groupement d'intérêt scientifique, un GIS, qui s'appelle le GEMS, le groupe d'études en milieu souterrain. Voilà, et tout ça, c'est donc porté à la fois par le ministère de la Culture et la commune de Cabreret, qui est propriétaire de la grotte. Or, si ces questions vous intéressent, je vous donne rendez-vous pour les journées du patrimoine. Le 17 septembre de cette année, on va avoir une journée où l'ensemble de ces chercheurs sera présent à Pechmer et vont faire part de leurs derniers résultats, des travaux qui sont en cours, et puis évoquer les perspectives de recherche à venir pour toujours mieux connaître la cavité. Alors, ça a été dit en introduction, cette année, c'est une année du centenaire. Alors, pour ça, on a organisé un certain nombre de choses et on propose cette année des nouvelles manières de découvrir ou de redécouvrir la grotte.
On va mettre en place deux nouvelles formules de visite. La visite qu'on appelle la visite explorateur, qui va se faire à la lueur de lanterne. Donc là, l'idée, c'est de se remettre un petit peu dans le contexte des enfants, hein, des adolescents qui ont découvert la grotte en 1922, simplement munis de quelques lanternes. Dans l'obscurité totale, on va partir à la découverte de la salle des peintures. Et ça, je vous garantis que c'est émouvant, parce qu'on est dans une atmosphère, on est dans l'obscurité totale, et tous les sens sont en éveil, et on a une perception de la grotte et de ses dessins de manière complètement différente. Et puis, on met en place également la grande visite. Alors ça, c'est ce qui se faisait jusque dans les années fin 90. C'est la visite habituelle, disons, de la partie préhistorique, mais également du réseau supérieur et notamment de la salle rouge. Alors, comme ça a été dit par Monsieur Vigne en introduction, ça a été l'occasion pour nous aussi de rénover le musée. Le musée de préhistoire qui se trouve donc sur le site de Pêche-Merle. Je vous le disais, il a été inauguré en 81. Sa muséographie n'avait pas changé depuis 1981. Donc, il a fonctionné pendant 40 ans, hein, il a fait de bons loyaux services, mais il était temps quand même de lui donner un petit coup de frais. Donc on a conservé en fait l'essentiel de la collection qui était présentée, simplement on a modifié la manière de le présenter, essayer de le rendre un peu plus accessible, plus moderne. Et à cette occasion, on a réalisé deux facsimilés de dessins que le public ne voit pas au cours de la visite. Ce sont les dessins du Combel, cette partie de la grotte qui ne sera jamais aménagée au public. Donc on a le panneau du lion et le panneau des antilopes qui sont aujourd'hui visible au musée dans cette salle consacrée à l'art préhistorique. Et puis donc tout au long de cette année 2022, on a quantité de dates et d'événements. On vient d'éditer un livre de photographie réalisé avec un spéléologue lotois qui s'appelle Jean-François Fabriol, et on lui a demandé de faire un reportage photo de tout ce que le public ne pouvait pas voir au cours de la visite, parce que la grotte fait un peu plus d'un kilomètre et demi. Dans la visite, on fait 600 mètres, mais donc il y a quantité de galeries qui se trouvent tout autour, géologiques pour l'essentiel, que le public ne voit pas. Donc par ce livre de photos, c'était l'occasion de pouvoir montrer ces parties-là de la grotte. Et puis c'est vrai que quand on fait la visite de la grotte, on axe la visite sur les dessins, c'est quand même la particularité de Pêche-Merle. Et donc là, on voulait rendre hommage aussi, enfin présenter, valoriser cette géologie de Pêche-Merle qui est quand même assez spectaculaire. Un film documentaire qui s'appelle Pêche-Merle, un siècle d'histoire. Il a été projeté pour la première fois la semaine dernière. Et puis différentes choses, des bricoles. On va faire une médaille souvenir. Bon, ça, c'est plutôt pour les collectionneurs et c'est pour marquer un peu l'événement. Des concerts avec des lithophones sont prévus en juillet et puis au mois d'octobre. Un cycle de conférences scientifiques. Michel Laure-Blanchet va venir à deux reprises présenter ses travaux, à la fois dans ses méthodes, mais également sur la signification, son interprétation personnelle des grottes ornées du Quercy. Et puis, je vous en parlais, une journée scientifique. Là, c'était la journée du 17 septembre pour les journées du patrimoine. Je viens d'en parler. Voilà. Alors, concernant cette histoire de Pêche-Merle, il y a différents ouvrages qui existent. La fabuleuse histoire de la grotte-temple du Pêche-Merle, c'est un livre qui a été publié par Maryse David, qui est la fille du découvreur, André David. En fait, sur la fin de sa vie, André David a écrit, il a raconté la découverte, et sa fille donc a hérité de ces documents et a souhaité le publier, et ça a donné ce petit livre, La fabuleuse histoire de la grotte de Pêche-Merle. Si ça vous intéresse, j'en ai quelques exemplaires ici. Cette histoire d'un siècle de Pêche-Merle a été également racontée en bande dessinée par Joël Polomsky, un auteur lotois, un auteur de bande dessinée. Donc c'est un ouvrage qui est également disponible. Et puis la semaine dernière, donc, on a eu ce film qui a été réalisé avec la participation de différents chercheurs, dont Michel Laure-Blanchet, bien sûr. Et puis on est allé chercher des extraits INA. On retrouve André David, Abbé Lemozy. Et puis on a fait avec trois enfants du pays des scènes de reconstitution qui racontent la découverte des peintures de septembre 1922. Voilà, et puis le livre sur les photos de Pêche-Merle que le public ne peut pas voir, donc c'est Pêche-Merle face cachée. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on va faire circuler un micro, deux micros dans la salle. Il y en a un par là-bas et un de ce côté. Donc, est-ce que
Quelqu'un veut d'ores et déjà réagir ou interroger la première fois? Oui. Bonsoir. Je vois que sur 2020, c'est certainement dû au confinement, il y a eu beaucoup moins de visiteurs. Est-ce que on est passé à peu près de 80 000 à 50 000? Est-ce qu'on a regardé un petit peu l'évolution de la grotte cette année-là? Est-ce qu'on a déjà des données, quelque chose sur la préservation en fonction du public? Merci. Oui, alors effectivement, c'est une question intéressante. C'est vrai qu'en période de confinement, situation inédite, très peu de fréquentation et ça a mis la grotte au vert, enfin au vert, si je peux mettre, dans le noir, pendant une période plus longue que d'habitude. Effectivement, on observe en fait une baisse des températures qui se prolonge. En fait. Voilà, alors je n'ai pas les données précises. Le rapport doit exister, hein, ça a dû être transmis à la DRAC. Mais moi, je n'en ai pas eu connaissance, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais ce qui est certain, c'est que ça va être quelque chose de très intéressant à étudier en comparant 2019-2020, par exemple, pour voir vraiment les différences qu'il peut y avoir entre les deux. Ouais. Bonsoir. Merci pour la conférence. Moi, j'ai été surprise du nombre de personnes qui sont venues intervenir dans la grotte au gré de leurs envies. Alors, un coup, bah, tiens, je vais prendre mon sac à dos, je vais aller visiter tel coin, je vais aller visiter tel coin. Je me demandais, lorsqu'il y a une découverte historique, préhistorique, cette grotte n'est pas soumise à protection par l'État ou... à partir du moment où cette grotte est chez vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ou voilà, je suis étonnée, et c'était la même chose sur l'ASPO, je suis étonnée à chaque fois qu'il y a des grandes découvertes comme ça, que finalement il n'y ait personne qui bloque et que tout le monde puisse faire ce qu'il a envie de faire sur un patrimoine aussi exceptionnel. Écoutez, merci pour votre question. Il faut se resituer quand même à l'époque. Hein. Au début des années 20, je pense que vous parlez au début, hein, au niveau dans les premiers temps de la découverte. Oui. Au début des années 20, ça fait finalement relativement peu de temps qu'on a reconnu l'existence et l'authenticité de l'art préhistorique. Hein, on date ça à peu près de 1902 avec Mea culpa d'un sceptique de Cartaillac. Auparavant, c'était quelque chose qui était complètement ignoré. Enfin, c'était quelque chose qu'on ne soupçonnait même pas, on n'y accordait pas d'importance, on n'imaginait même pas que les préhistoriques aient pu faire des dessins. Dans les années 20, oui, bah écoutez, il n'y avait pas de législation sur la protection du patrimoine à cette époque-là. Hein, les premières législations, si je ne dis pas de bêtises, c'est 41, validées à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne Pechmer, la protection par les services de l'État date de 1951, reconnue monument historique. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, le propriétaire d'une parcelle, s'il y a une grotte sur cette parcelle-là, lui appartient. Donc il peut faire, il peut y aller comme il veut, il peut faire les aménagements qu'il veut, tant que cette grotte n'est pas reconnue d'un intérêt archéologique ou patrimonial particulier avec une protection qui va avec, on peut faire à peu près ce qu'on veut. On est toujours dans cette situation pour tout ce qui est gisement paléontologique. Hein, tous les sites de paléontologie récents, anciens ou qui datent du Jurassique, les dinosaures, etc. Il n'y a pas de protection aujourd'hui encore en France, hein, sur la protection de ces sites-là. Donc c'est vrai que pendant toute une période, bah, oui, on faisait un petit peu comme on voulait, c'est vrai. C'est vrai, et ça relevait de l'autorisation du propriétaire ou pas. Si le propriétaire n'était pas au courant, bah, on faisait à peu près ce qu'on voulait, hein, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'il a fallu quand même un certain temps pour avoir une prise de conscience. Et je pense que dans le domaine de l'art pariétal, les déconvenues qu'il y a eu à Lascaux ont été vraiment un traumatisme sur la conservation et la fragilité du milieu souterrain. Et c'est vraiment à ce moment-là, donc à partir des années 60, qu'on s'est dit qu'il faut vraiment faire attention et prendre des mesures particulières pour préserver ces sites importants. Vous voyez, les limitations pour Pechmerle datent de 85.
1985, ce qui est relativement tard. Hein. Enfin, on le voit maintenant aujourd'hui avec notre recul. Mais c'est vrai que dans les années 70, bon, ben non, on ne s'en préoccupait pas beaucoup plus que ça, quoi. Donc c'est une prise de conscience qui est progressive. Il y avait une demande de prise de parole un peu plus haut, là-haut. Bonsoir. Une question de base, mais la réponse n'a pas l'air d'être si commode. Depuis quelques années, j'entends dire tantôt le pêche-mer, tantôt pêche-mer. Je vois dans toutes les publications que vous nous avez montrées des années 1920 à 1950, c'est toujours la grotte du pêche-mer. Vous-même avez dit dans presque 90% des cas, pêche-mer tout court. Donc, j'aimerais savoir quelle est la raison, quelle est la recommandation, quelle est l'explication. Oui, alors ça c'est une question qui vient régulièrement. Merci de l'avoir posée, monsieur. Alors comme je l'ai dit en introduction, en fait, Pêche-Merle, c'est le nom de la colline. Et la grotte a pris le nom du lieu-dit, c'est le nom de la colline, c'est la grotte du Pêche-Merle. Alors pourquoi du ? Parce que en fait, il s'agit justement d'un massif, d'une montagne. Aujourd'hui, on parle du tunnel du Mont-Blanc. Hein, on parle de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. On est dans le même cas de figure. C'est un lieu-dit, donc si on veut être correct, on doit dire du Pêche-Merle. Sauf que personne ne le sait, où tout le monde s'en moque, et on dit, voilà, c'est la grotte de Pêche-Merle, comme étant un lieu-dit, je dirais, comme un autre. Mais si on est, comment dire, proche de l'origine du terme, pêche signifiant colline, on doit dire du Pêche-Merle. Voilà l'explication. Bonsoir, merci pour votre... présentation très intéressante. Je ne connaissais pas Pêche-Merle, donc ma question. Ici, on est dans un. Enfin, vous connaissez le fond de Gaume, je suppose. Et on dit le fond de Gaume que c'est la seule grotte avec des peintures polychromes qu'on peut visiter en vrai. Donc là, je découvre, enfin, de France ou d'Europe, même, je ne sais pas. Donc là, je découvre que ce n'est pas vrai. Vous avez, c'est vous, on peut visiter, voir des dessins polychromes, on peut voir des originaux. Donc pourquoi on dit de fond de Gaume que ce soit la seule grotte polychrome originale qu'on peut visiter ? Enfin, j'espère que vous avez compris ma question. Merci. Oui, alors je vous confirme que c'est l'authentique hein, que vous visitez à Pêche-Merle. Mais on ne parle pas à Pêche-Merle de dessins polychromes. Tout simplement parce qu'en fait, les figures en elles-mêmes sont pour l'essentiel réalisées en noir. Alors on peut avoir, par exemple, sur le panneau des chevaux ponctués, quelques ponctuations rouges, mais la réalisation, comment dire, la composition même du dessin n'est pas faite de différentes couleurs, ce qui est le cas notamment des bisons de fond de Gaume. Voilà, où on a sur des dessins qui sont, enfin des figures qui sont dessinées et remplies de au moins deux couleurs sur les figures. Ce n'est pas le cas de Pêche-Merle. Oui, malgré les taches rouges. Oui. Je me joins aux remerciements qui vous ont été faits là pour la qualité de votre exposé. Et je voulais vous poser une question. Relative aux études, là, vous nous avez montré des études récentes là, et vous nous avez montré combien la pensée autour des influences du changement climatique était importante. Alors, j'avais une remarque et une question. Ma remarque, c'est dans la courbe que vous nous avez montrée, on voit que dans les périodes de fréquentation haute, là, la température monte légèrement. Mais à l'inverse, on a l'impression que la teneur en carbone, elle baisse. Donc ça, c'était la remarque. Et la question, c'est aujourd'hui, quand on veut avoir de l'argent, quand on est scientifique, si on met une petite couche de changement climatique, les budgets passent mieux, l'attention est plus grande. Mais en fait, l'équilibre thermique d'une grotte, c'est d'une part les influences atmosphériques, d'autre part, les perturbations
anthropique, voilà. Et puis, il y a surtout le flux géothermique qui nous arrive du centre de la Terre. Et donc, je voulais vous demander si jamais je vois dans les publications qui sont faites sur ces sujets, jamais je vois de mesure du flux. Et il n'est pas du tout dit, et je crois que c'est même connu dans un certain nombre de domaines, que le flux géothermique, ce soit quelque chose de constant. Et je ne vois jamais dans les modèles qu'on présente de l'intérêt pour cette... Donc, l'intérêt des hommes, il y est toujours, hein, c'est la mode. L'intérêt atmosphérique, il y est aussi, parce que c'est ce qu'on mesure, on mesure des températures d'air et des températures de parois. En revanche, ce qui est le flux qui fait que dans notre cave, comme dans les grottes, il fait à peu près aux alentours de 12-13 degrés partout, tout au long de l'année, personne ne s'y intéresse. Je voulais savoir si ça avait été regardé à Bechmer. Bien, merci pour votre question. Écoutez, alors le flux géothermique, de ce que j'en sais, je ne suis pas un spécialiste, c'est pas un facteur qui intervient dans la température de la cavité. Ça n'a jamais été identifié, ça n'a jamais été mis en avant, ça n'est jamais mentionné dans les études thermiques, en tout cas, de la cavité. Donc, honnêtement, je ne saurais... Je vois à peu près ce que vous voulez dire, mais je ne sais pas comment ça peut intervenir dans une cavité. Je ne connais pas ça, en fait, si vous voulez. Mais je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas spécialiste du sujet. Concernant les variations de gaz carbonique dans la grotte, effectivement, quand la température monte, le gaz carbonique baisse. Mais en fait, la corrélation n'est pas, enfin, c'est ce que l'on voit sur les courbes, mais la corrélation n'est pas forcément liée aux températures. C'est qu'en fait, la température monte en été et la température baisse en hiver. On est d'accord. Et le gaz carbonique baisse en été pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a peut-être une ventilation un petit peu plus importante en été, liée à la présence du public et à l'ouverture de portes, d'une part. Et puis, surtout, la provenance du gaz carbonique a deux sources. La pluie, qui tombe à la surface du sol, qui va traverser cette couche d'humus et qui va se charger en gaz carbonique. Et ce gaz carbonique va être libéré en arrivant ensuite dans la cavité. Donc, on a énormément, beaucoup plus de pluie à partir de l'automne, l'hiver, le printemps, et donc qui alimente la grotte en gaz carbonique. Et puis, il y a un autre phénomène également qui se fait, qui est plus, je dirais, de l'aérologie, là. C'est que pendant l'été, la température de la grotte est plus fraîche qu'à l'extérieur. C'est l'inverse l'été. Il semble y avoir des sources de gaz carbonique qui proviennent du sous-sol et qui rentrent dans la cavité par les parties basses, si vous voulez. Donc, on a ces deux phénomènes, à la fois le gaz carbonique qui arrive par l'eau de pluie qui s'infiltre, l'eau d'infiltration, et également par ces gaz carboniques qui semblent remonter de niveaux plus dessous. Voilà, c'est comme ça que s'expliquent en fait ces variations de gaz carbonique, mais ce n'est pas corrélé avec la température de la cavité. J'ai été clair. Le débat est un peu technique, mais simplement, je voulais dire, si vous mettez un capteur de CO2 dans cette salle, quand elle est vide, vous avez un taux de carbone qui est bas. Si vous mettez maintenant, le taux de carbone, il monte, quoi. Dans la grotte, c'est pareil. Effectivement. Mais on ne peut pas attribuer la présence de gaz carbonique dans la grotte uniquement à la présence de visiteurs. Ça reste relativement marginal par rapport aux autres sources d'arrivée du gaz carbonique dans la cavité. Est-ce qu'on pourrait avoir des explications sur les études qui ont été faites sur les mains, savoir si c'est les mains féminines, masculines? Ah, vaste débat. Le sexe des mains. Vaste débat. On en parle beaucoup, effectivement, depuis plusieurs années. Alors, il y a eu, c'est un Américain, je crois, Manning, qui a mis en place un indice. Et d'après ses études et cet indice, il suffirait en fait de mesurer et de comparer la longueur de l'annulaire avec, je ne sais plus quel autre doigt, le majeur ou l'index. Or, il s'avère que cet indice de Manning ne fonctionne pas. C'est clair, ça a été démontré.
On peut faire le test aujourd'hui. On mesure une main de femme, une main d'homme. En appliquant l'indice de Manning, ça ne fonctionne pas. Donc pendant plusieurs années, et notamment la presse, les journalistes ont sauté sur cet indice de Manning pour en faire les choux gras et pour pouvoir, certains même disent, jusqu'à 80% des mains au pochoir, des mains négatives des grottes, étaient des mains féminines. Non, ça on ne le sait pas. Alors, l'étude qui a été menée par Michel Leurblanchet dans Pêche-Merle a permis de déterminer quand même une main féminine. Et ça a été déterminé par le côté gracile en fait, de la main. Cette main au pochoir, c'est la main rouge, qui est en fait la main de la découverte que je vous ai montrée, où on a un poignet, une taille de poignet qui est très fine. Et puis, on a également des doigts qui sont assez fins et assez effilés. Donc, voilà, bah, c'est la main rouge qui est derrière moi, en effet. Donc, ça, on l'attribue plutôt à une main féminine. En revanche, les deux mains noires que vous avez derrière moi, ces deux mains noires sont plutôt attribuées à une main masculine en raison de la largeur du poignet qui est beaucoup plus large. Donc, on a tendance à l'attribuer plutôt à un homme. Mais il faut prendre ça quand même avec des précautions. La main féminine, on en est, disons, Leurblanchet en est assez convaincu. Pour les mains noires là autour des chevaux ponctués, c'est vraisemblablement c'est un homme. Mais bon, il subsiste toujours un doute. Hein, il faut prendre ça avec des précautions. En tout cas, l'indice de Manning, c'est clair. Il faut faire une croix dessus. Ça ne fonctionne pas. Nous avons quelques questions d'internautes qui suivent la conférence en ligne. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation de la grotte. Vraiment très envie de la visiter. Peut-être un projet de visite virtuelle en ligne pour l'avenir. Et sinon, est-ce qu'il y a des hypothèses d'interprétation de cette grotte? À quoi est-ce qu'elle servait de ses peintures? Oui, alors pour la question, un projet de visite virtuelle, peut-être que ça viendra un jour, en effet. Ce n'est pas l'ordre du jour actuellement. Ce n'est pas un projet qu'on a dans les cartons. Mais c'est vrai qu'avec les outils qui existent aujourd'hui, avec les réseaux Internet qui permettent comme ça de diffuser et de pouvoir se connecter à travers toute la planète, je pense que ce serait quelque chose d'intéressant à réaliser, en effet. Il faudrait qu'on se penche un petit peu sur le sujet. Après, ça suppose un peu de travail, ça suppose un peu de moyens, mais bon, il faut y réfléchir. C'est un projet qui peut se monter sur quelques années. Donc, peut-être, pourquoi pas. Concernant l'autre question sur l'interprétation, alors ça, c'est une question à 10 000 euros, au bas mot, allez, 100 000. on aimerait bien avoir des réponses à toutes ces questions-là, et c'est une question globale qui s'applique à l'ensemble de l'art pariétal. Ce dont je suis à peu près convaincu, et je crois que l'ensemble des chercheurs ou des personnes qui travaillent dans le domaine de l'art pariétal, on est à peu près d'accord sur le fait de dire qu'on est dans une grotte ornée, une grotte avec des dessins, vraisemblablement était un lieu sacré à l'époque préhistorique. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ne sont pas venus faire des dessins simplement parce qu'ils avaient 2 heures à perdre et qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur temps et qu'ils descendaient faire des dessins dans la grotte juste pour passer le temps. Ce n'était pas ça. Ils ne descendaient pas dans la grotte non plus pour faire joli. C'était pas le but, puisqu'ils n'habitaient pas dans les grottes, il faut le répéter, ça, au niveau du grand public, les préhistoriques n'ont jamais vécu dans les grottes, éventuellement à l'entrée de la grotte, mais pour Pêche-Merle, on n'y croit pas, on ne pense pas qu'il y avait de porche d'entrée à Pêche-Merle, donc ils n'ont pas vécu là. Quand on voit des dessins qui ont été réalisés loin de l'entrée, plus de 200 mètres de l'entrée, quand on voit la difficulté d'accès pour aller faire certaines figures, on est quand même assez convaincu qu'ils avaient une forte motivation pour aller faire ces dessins. Alors, quelle était cette motivation? On a tendance à penser que ça relève plutôt du spirituel. Ça relève plutôt de croyances. Ça relève plutôt d'une manière de concevoir le monde. Il y a un bouquin intéressant qui est paru récemment, l'an dernier. C'est Michel Leurblanchet qui a publié Naissance de la vie et qui donne son interprétation personnelle des grottes ornées du Quercy. Il ne s'avance pas pour l'art pariétal européen, mais il parle de ce qu'il connaît le mieux. Ce sont la trentaine de grottes de la région grottes ornées du Quercy. Et il va dans ce sens-là, en disant, vu les dessins qui sont réalisés, il est probable que les préhistoriques pouvaient penser
que la grotte avait un rapport assez étroit avec le lieu de la création des animaux, voire même la création de la vie. Et on peut effectivement penser qu'une grotte pouvait être quelque part un peu le ventre de la terre et qu'à cet endroit-là pouvait s'esquisser, se fabriquer, se dessiner, se former des animaux qui ensuite pouvaient sortir de la grotte. Et c'est peut-être là, on a peut-être quelques bribes pour essayer de décoder un peu la mythologie de ces préhistoriques. C'est pour ça que l'art pariétal est intéressant, c'est que ça nous entrouvre un petit peu la porte vers la culture immatérielle, en fait, de ces paléolithiques, et peut-être que ça nous donne quelques pistes sur ce en quoi ils croyaient et comment ils pouvaient concevoir le monde. En tout cas, ce que l'on retrouve un peu partout, à différentes périodes, un peu partout sur tous les continents, à partir du moment où le dessin apparaît, où la figuration apparaît, les premières figures qui sont réalisées, ce sont des dessins qui sont importants et qui ont une importance pour les gens qui le réalisent. On peut se dire que pour les préhistoriques, c'est à peu près la même chose. Et que effectivement, les premiers dessins qu'ils ont réalisés, c'est quand même un big bang cognitif, quoi, hein, le fait de pouvoir représenter des choses qui existaient dans l'environnement. Donc on peut penser que l'importance de ces figures-là pouvait être liée à un certain nombre de croyances. Or, quelles étaient ces croyances? Après, ça, c'est une autre affaire. On peut parler d'animisme, on peut parler de totémisme, on peut parler de chamanisme, on peut parler de... Voilà, il y a des différentes pistes, différentes interprétations possibles. Mais aujourd'hui, on est bien en peine de pouvoir dire précisément comment les choses se passaient. Pourriez-vous nous donner les références du livre, s'il vous plaît? Du livre? Oui. Sur l'histoire de la découverte, peut-être? Je présume. Oui. Non. Ah, le dernier. Sur l'interprétation. Sur l'interprétation. Ça s'appelle La naissance de la vie. Naissance de la vie aux éditions du Rouergue. Et ça date de l'automne 21. Je voulais juste savoir si, à une époque donnée, des fouilles du sol des grottes, des salles ornées avaient été entreprises et au cas où ce qu'on aurait eu trouvé. Oui, c'est un travail pour Pêche-Merle, en tout cas, c'est un travail qui a été réalisé par Michel Leurblanchet. À nouveau, il a fait plusieurs sondages, il en a fait au moins 8, je crois, 7-8 dans la cavité à différents endroits, et en particulier au pied des peintures, pour retrouver quelques traces, quelques éléments, quelques artefacts. Et honnêtement, à Pêche-Merle, il n'y a pas grand-chose qui a été trouvé. En tout et pour tout, entre les débuts, la découverte de 22 et l'étude de Lemozy dans les années 23-24, et puis les fouilles de Leurblanchet qui datent des années 70-80, enfin jusqu'en 2000, dans Pêche-Merle, on a retrouvé 4-5 objets. On a retrouvé une lame en silex, assez loin de l'entrée, à 250 mètres de l'entrée, on a trouvé une lame en silex posée au sol. Un peu plus proche de l'entrée, on a retrouvé un burin en silex. Au pied du panneau des chevaux ponctués, rien du tout. Si ce n'est des éléments, en négatif. C'est-à-dire qu'il a retrouvé à différents endroits de la grotte des petits morceaux de charbon, un peu partout, assez éparpillés. Donc ça lui laisse penser que les préhistoriques ont pu faire des feux au sol, peut-être pour s'éclairer et pour réaliser les dessins de grande dimension, comme par exemple la frise noire ou le panneau des chevaux ponctués. Et qu'ensuite, il y a eu des périodes de fortes pluies, de circulation d'eau qui ont transporté ces charbons et réparti un petit peu partout dans la cavité. Devant le panneau des chevaux, en faisant ses fouilles, il a retrouvé des niveaux de sol qui étaient particulièrement durs, particulièrement tassés. Et comme devant le panneau des chevaux, on n'a pas de concrétion, on n'a pas de rocher, on a une sorte de petite place, une petite esplanade, il émet l'hypothèse que ce sol tassé puisse correspondre à des présences, à l'époque paléolithique, de personnes qui auraient pu, pourquoi pas, marcher, danser à cet endroit-là. Donc du coup, ça amène d'autres hypothèses, c'est qu'une fois que les dessins ont été réalisés, ça a pu servir de lieux pour faire un certain nombre de choses, comme des cérémonies, des rituels, des initiations, on ne sait pas quoi. Mais en tout cas, il se pose la question, en tout cas, le fait d'avoir ce sol qui soit
tassé devant le panneau des chevaux a pu être un lieu donc de rassemblement avec, pourquoi pas, des danses réalisées à cet endroit-là. Autre vestige retrouvé, devant le panneau du Lion, donc dans la galerie du Combel, il a retrouvé à 10-12 cm sous le sol une omoplate de bovinés, c'est-à-dire soit de roc, soit de bison, et que Laure Blanchet interprète comme étant possiblement une pelle que les préhistoriques ont pu utiliser pour creuser le sol. Voilà, et puis la dernière pièce vraiment trouvée intéressante, c'est dans une micro-salle de la grotte qu'on appelle l'ossuaire. Les ours des cavernes, qui étaient là bien avant les humains, venaient dans la grotte pour hiberner une partie de l'hiver, et dans cette petite salle, les femelles venaient mettre bas. On a retrouvé beaucoup d'ossements d'oursons, et dans cette salle, qui se visitait jusque dans les années 50, ça a été déséquipé dans les années 90 par un des guides de Pêchemer qui s'appelait Jean-Claude Faury. Et à l'occasion de ses travaux de nettoyage, il a découvert une vertèbre sur laquelle était gravé un cervidé. Alors ça, pour Laure Blanchet, c'est un peu un ovni parce que ça ne correspond pas du tout à la période des dessins. Il daterait ça de manière plus récente. Et il est extrêmement rare de trouver un objet orné, de l'art mobilier, dans une grotte ornée. D'habitude, soit on a des peintures sur les murs et puis on n'a pas d'objets avec des représentations figuratives, soit on est sur un site où on a de l'art mobilier, mais on n'a pas d'art sur paroi. Donc voilà les quelques pièces qui ont été retrouvées dans la grotte. Non, j'en sais rien, je ne me souviens plus d'une vertèbre. Je ne sais plus de quel animal. Vous avez, au travers d'une illustration que vous avez présentée, évoqué très discrètement le sujet des perles. Il y a des magnifiques perles de caverne à Pêchemerle, qui sont des choses assez rares, je ne connais pas beaucoup d'autres ailleurs. Et il y a aussi dans la préhistoire beaucoup d'utilisation de parures. Et donc je voulais savoir si vous connaissiez l'âge des perles. Et si des perles de caverne ont été retrouvées comme éléments de parure préhistorique. Oui, alors en effet, à Pêchemerle, il y a un petit gour où on a retrouvé des perles des cavernes. Alors, oui, c'est intéressant. Ce n'est pas exceptionnel non plus. Hein. On connaît quand même pas mal de cavités où on a des perles des cavernes. En revanche, il y a une pièce exceptionnelle au milieu de ces perles des cavernes à Pêchemerle. C'est ce que l'on appelle la toupie. La toupie, c'est en fait une perle qui s'est mise à tourner, mais uniquement sur son axe vertical. Et en tournant sur son axe vertical, en fait, la calcite a continué de se développer, mais sous la forme d'un cône. Et ça a donné lieu à une forme un peu en forme de toupie, c'est pour ça qu'on lui a attribué son nom. Et ça, à notre connaissance, on en a recensé 3 ou 4 à travers la planète. Donc ça, c'est vraiment une pièce exceptionnelle à Pêchemerle, cette toupie qui se trouve au milieu des perles. Alors, ces perles des cavernes, c'est de la calcite. Au milieu, au départ, pour initier cette perle, il doit y avoir un gravier. Ça reste lourd, hein, parce que la densité de la calcite, c'est quand même assez important. Ça reste une pièce assez lourde. À ma connaissance, je ne crois pas que ça ait été transformé en parure. À ma connaissance, je n'ai pas d'exemple que ça ait été exploité et utilisé pour faire de la parure. En tout cas, les préhistoriques les ont vus. Ça, c'est à peu près clair. Non, l'âge de ces perles n'est pas connu. Alors, il y a des travaux là. À l'automne dernier, il y a eu des datations, enfin des datations, des prélèvements, parce que le gour où se trouvent les perles des cavernes se trouve au milieu de la salle des peintures. Enfin, au milieu, oui, au milieu de la salle des peintures. Et il se trouve que juste à côté, à l'endroit où se trouvent les perles, la formation des perles est liée aussi à la présence de circulation d'eau. Et là, en l'occurrence, c'est une cascade qui se forme depuis le toit de la grotte, depuis le plafond de la cavité. À cet endroit-là, il y a une ouverture, une sorte de cheminée qui est alimentée de temps en temps. Et quand il y a certaines conditions particulières de pluie, ça se met en charge et ça se met à couler. Quand je dis que ça se met à couler, ce n'est pas simplement quelques gouttes, hein, c'est un ruisseau qui se met à couler de là-haut. Et il se trouve que juste à côté de cette cheminée où l'eau coule, il y a, les préhistoriques ont laissé des traces au plafond. C'est-à-dire que la roche sur le plafond de la cavité, sur la voûte, la roche est recouverte par une fine couche d'argile, ce qu'on appelle du moulmiche. Et les préhistoriques ont simplement tracé avec leurs doigts sur cette paroi des dessins. Alors la plupart, ce sont des traits qui ne représentent rien de spécial, mais on a quelques figurations
en particulier des silhouettes féminines et des mammouths. Et on a systématiquement une association silhouette féminine mammouth qui est présente à 3 reprises sur ce plafond. Il se trouve que juste sous les perles, il y a un autre panneau. C'est le panneau où se trouve donc cette main rouge. Et juste à côté, il y a le panneau des femmes bisons. Ce panneau des femmes bisons se trouve juste sous les perles. Et l'eau qui coule à l'endroit des perles déborde du gour, coule ensuite un peu plus bas. Et sous le panneau des femmes bisons, c'est l'endroit le plus profond, enfin le plus bas de la salle des peintures. Et c'est à cet endroit-là où l'eau se perd, tombe dans une perte et descend plus bas dans le réseau. Donc en fait, à cet endroit-là, on a l'eau qui tombe du plafond, qui traverse à l'endroit où il y a les perles, et ensuite l'eau se perd dessous. Et Michel Lorblanchet émet une hypothèse. Comme on est au milieu des peintures, de la salle des peintures, au plafond, on a silhouette féminine mammouth, et il se trouve que là où on a les femmes bisons, on a à la fois des silhouettes féminines et la représentation d'un mammouth. Donc on retrouve encore cette association silhouette féminine mammouth. Et il pense, et enfin, il se pose la question de savoir si la cascade des perles était en activité au moment où les dessins ont pu être réalisés. C'est-à-dire, est-ce qu'au paléolithique supérieur, et grosso modo, la culture du Gravettien aux alentours de 30 000, entre 25 et 30 000 à peu près, est-ce que cette cascade était en fonctionnement? Si c'était le cas, ça viendrait pour lui conforter son hypothèse qu'il y a en fait une sorte de structuration verticale de cette salle des peintures avec la circulation de l'eau depuis le plafond jusqu'au sol et à mettre en lien avec à chaque fois l'association silhouette féminine mammouth au plafond, silhouette féminine mammouth en bas. Donc, j'ai fait une digression, mais tout ça pour vous dire qu'il y a eu des prélèvements qui ont été faits à l'automne dernier pour faire des datations uranium-thorium sur cette cascade des perles et essayer de déterminer si c'était en fonctionnement au paléolithique supérieur. Je vous propose de prendre une ou deux dernières questions. Non, apparemment. Si, en ligne. Nous avons encore 3 questions en ligne, mais on va devoir en choisir une, malheureusement. Ce que je pourrais faire, c'est vous les transmettre après, si vous êtes d'accord, et on répondra par écrit. Oui, bien sûr. Est-ce que les animaux représentés sont tous présents et chassés, mangés à cette époque? Est-ce qu'il y a d'autres animaux fauves non comestibles? Alors, là aussi, ça c'est une vaste question qui concerne tout l'art paléolithique. Alors, pour Pechmer, les dessins les plus représentés, c'est le mammouth. Moi, je suis de ceux qui pensent que les préhistoriques ne chassaient pas le mammouth. D'une manière générale, à cette époque-là, ils chassaient plutôt le renne, principalement même le renne, et ils exploitaient à peu près tout dans le renne, la peau, les os, les tendons, la viande, bien entendu, les bois, les dents, pour s'en faire des parures. Donc, à la fin, il n'en restait pas grand-chose du renne. À Pechmer, on n'a aucun renne qui est dessiné, aucun renne représenté. Et les principaux animaux que l'on retrouve d'une manière générale dans l'art pariétal, c'est le mammouth, le bison, le cheval, le roc. Ce sont 4 herbivores, 4 grands herbivores. Mais ce ne sont pas les seuls, il y en avait d'autres. En fait, les préhistoriques, vraisemblablement, ont choisi de représenter certains animaux et pas d'autres. Ça laisserait supposer que ces animaux-là avaient un statut particulier dans les cultures de ces périodes. Alors lesquels, ça on n'en sait rien, mais sans doute que ça fait partie de ces éléments qui renforcent l'idée d'avoir, à travers l'art, accès un petit peu à la culture immatérielle de ces préhistoriques et donc d'avoir certains animaux qui étaient représentés peut-être pour un certain nombre de qualités ou de qualités qui leur étaient attribuées par les hommes. Alors on peut retrouver plutôt dans les périodes anciennes des carnivores comme les lions par exemple que l'on retrouve à Chauvet et que l'on retrouve à Pechmer dans le panneau du lion, et ça c'est attribué plutôt aux périodes anciennes aux alentours de 30 000 à peu près, et ça ce sont des figures que l'on ne retrouve pas par la suite dans les restes des cultures du paléolithique supérieur. Bien, messieurs, dames, merci beaucoup. Merci, Bertrand Defoy, pour votre intervention. Donc, je vous invite effectivement à aller
découvrir ou redécouvrir la grotte de Peschmerle et donc le musée, musée rénové. Oui. Vous avez donc des ouvrages, Bertrand Dufoy a amené des ouvrages, je vous laisse peut-être les présenter. Rapidement. Oui, je voulais. J'ai apporté quelques prospectus de Peschmerle qui vous inviteront à venir visiter le site, grotte et musée, donc un musée tout frais. Il y a le programme également des manifestations concernant le centenaire avec les conférences scientifiques, etc. Je vous ai amené le petit livre de Maryse David, la fille du découvreur, donc, qui relate la découverte. Et puis également le livre de ce spéléologue lotois, Jean-François Fabriol, qui a fait de magnifiques photos des parties qui ne se visitent pas de la cavité. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est à votre disposition ici. En tout cas, merci à tous pour votre attention. À partir du mois de juin, donc vous trouverez une petite exposition au pôle sur le centenaire de la grotte de Peschmerle qui sera située dans la médiathèque. Et puis, pour continuer sur les prochains rendez-vous du pôle, à partir du mois de juin également, nous proposerons une autre exposition complémentaire qui va porter là sur l'art rupestre dans le massif du Lovo, qui est un massif donc situé au Congo et qui est assez riche en sites d'art rupestre. Et nous vous proposerons donc le mercredi 1er juin, donc c'est bientôt, une conférence de Geoffroy Emlich qui portera donc sur l'art rupestre du massif du Lovo au Congo. Voilà, je vous dis à bientôt. Donc ça sera le mercredi 1er juin à 18h30 et ça sera également retransmis sur notre chaîne YouTube. Merci, très belle soirée à vous et à bientôt.